Salut tout le monde, c'est KKMs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, ce sera un tuto d'une maison. Donc je vais me retourner. Donc voilà, ce sera celle-là. Donc je vais montrer en premier FPS à quoi elle ressemble. Donc l'intérieur, bon, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc la maison, elle ressemble à ça. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donc bah, sans plus attendre, on va passer au tuto. Donc il vous faudra des planches d'acacia, des blocs de quartz, de la terre cuite noire, des vitres noires, des dalles de quartz, des feuilles d'acajou et des portes en bois d'acajou également. Alors, bah, on va se mettre là. Alors, tout d'abord, on va commencer par donc tout ce qui est planche d'acacia. Donc, on va faire de ce côté encore une fois. Oh, ouais, non. Cette fois, on va la mettre comme ça. Alors, je vais juste baisser le volume parce que c'est assez fort. Voilà, nickel. Alors, vous allez faire une, deux. Normalement, vous en avez 6. Ensuite, vous allez faire une, deux. 4, 5, 6. Encore un. Et vous faites un carré comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez casser deux blocs au milieu pour laisser place aux portes. Et vous allez monter de 1, 2, 3. Alors, attendez pour pas que je me trompe. Hop là. Ouais, nickel. 2, 3. Donc, normalement, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 de hauteur. Donc, ça vous donne ça. Ensuite, bah, vous allez faire tout le tour, comme ça. Tout simplement. Elle est super facile, la maison. C'est la plus simple que j'ai trouvée. Après, je vais essayer un truc, c'est de mettre ici encore des blocs de quartz. Hop là, vous remplissez. Hop là. Et hop là. Voilà, nickel. Attendez, je vais voir vite fait. Ok. Ensuite, tout simplement, vous allez reboucher le haut. Comme ça. Y a rien de compliqué pour l'instant. Ensuite, vous allez prendre des blocs de quartz, pardon. Et vous allez en mettre un là. Comme ça. Et vous allez venir en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez en mettre 7. Et ensuite, vous allez monter de 2, 2, 3, 4. Donc vous allez rajouter 3 blocs. Donc ça vous fait 4. Ensuite vous allez venir comme ça, joindre le bord ici. J'espère jusqu'à là vous comprenez hein. C'est tout simple hein. Ensuite vous allez remplir comme ça les blocs de quartz jusqu'à arriver vous allez voir. Il faut que ça soit symétrie jusqu'à là, si je me trompe pas. Normalement, ouais, c'est nickel. Ensuite, vous allez faire la même chose que là. Donc, pour l'instant, ça ressemble. C'est bizarre, ça vous fait bizarre, mais ensuite, quand. Le final, ça rendra ça. Vous avez compris, je pense. Hop là. Vous remettez un bloc comme ça. Oula. Ouais, nickel. Alors. Voilà, nickel. Donc, maintenant, vous allez tout simplement reboucher. Bah là, le haut avec des dalles de quartz pour que ça fasse un plus haut, putain j'ai oublié le nom, excellent. Voilà, vous m'avez compris. Donc vous allez remplir. Hop là.
Alors, ce tuto, il n'est pas du tout volé. J'invente moi-même. Donc voilà. Ensuite, attendez, je vais voir encore vite fait. Tatata. Ok. Donc vous allez prendre de la terre cuite et vous allez avancer de deux blocs comme ça. Si je me trompe pas, attendez. Je me rappelle plus. Une, deux. Ouais, exactement. Ensuite, vous allez remplir. Vous allez monter les blocs jusqu'à là. Et ensuite, vous allez tout simplement bah, relier tout ça. Vous allez remplir jusqu'à encore ici. Ça soit, il faut que ça soit symétrique de toute façon. Même si je suis pas clair à ce que je dis, en regardant, c'est super simple à reproduire. Bam, bam. Voilà. Nickel. Tout simplement. Attendez, parce que là, il y a la nuit qui se lance. Voilà. Merde, je me suis trompé. 7 days. Voilà, nickel. Ok, maintenant, vous allez avancer. De 1, 2, 3, vous allez rajouter 2 blocs. Et après, vous allez encore re-remplir. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. J'ai oublié de remplir là, par contre. Ça va pas. C'est la fin de la journée. Hop là. Voilà. Nickel. Et ensuite, vous allez avancer de 2 blocs, tout simplement. Et relier jusqu'au haut. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, hein, vraiment. La maison, elle est super simple. C'est pour les débutants. Une maison moderne, voilà tout simplement. Vous remplissez des moments que je parle pas, c'est normal. Bon, j'essaie de parler pour pour passer le temps. Aïe, ok. Là, c'est assez long. Hop là, c'est bientôt fini. Bam. Et voilà, n'hésitez pas, en attendant, de lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Voilà, tout simplement. Désolé pour la moto qui passe, si vous m'entendez. Hop là. Je vais pas trop faire de montage sur cette vidéo. Hop. Et voilà. Hop là, vous avez un truc comme ça, un truc assez space. Et tout simplement, on va venir reprendre les blocs de quartz. Est-ce que je me suis loupé? Non, c'est tout bon. Donc vous allez prendre les blocs de... J'arrive plus à parler, les blocs de quartz. Et vous allez en mettre 4. 1, 2, 3 et 4. Ensuite vous allez descendre. Comme ça. Voilà. Et vous allez relier sur la terre cuite. Et tout simplement, vous faites ça de l'autre côté ici. 4. Hop là, voilà. Et voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez relier. Comme ça. Nickel. Ah, c'est génial. Putain. Slash. Oh, j'arrive plus à écrire. Voilà. Hop là, vous remplissez. Et voilà. Non, pas et voilà. Voilà. Hop là, ça vous donne un aspect assez space. Et maintenant, on va placer les vitres noires. Donc, tout simplement comme ça.
sur cette partie. Et tout simplement, vous mettez les vitres. Après, je vous oblige pas à prendre les vitres noires. Hein. C'est de votre choix. Mais bon, après, c'est un conseil. Hop là. Voilà, fini. Ensuite, on va faire pareil d'ici. Alors là, c'est plus compliqué à mettre. Parce qu'il faut viser le milieu. Hop là, comme ceci. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Hop là. Et voilà. Ensuite, vous allez tout simplement venir là et remplir le haut avec des blocs de quartz, cette fois. Voilà. Et ensuite, tout simplement, vous allez rajouter par le haut des blocs de quartz. Voilà, tout simplement. Comme ça. Il faut pas que ça vienne au bord parce que sinon ça fait un aspect assez space. Enfin, ça fait pareil, ouais, bon. Ça fait pareil que quand il n'y a pas de plaque. Sauf que là, ça rajoute une petite hauteur et puis ça fait un petit style. Donc là, la maison, elle prend forme. Déjà. Donc... Vous voyez, elle est pas très longue à faire. Hop là, comme ça. Et voilà. La maison, elle prend direct forme. Ensuite, on va placer les vitres. Donc, tout simplement, vous sautez d'une case. Et vous creusez comme ça. Bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Et voilà. Ensuite, vous mettez les vitres, hein, tout simplement. Vous avez compris. Voilà, c'est tout simple. Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Bam, 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 et voilà. En plus, vous mettez encore les vitres. Et voilà. Donc là, notre maison, elle prend forme. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va venir mettre les portes. Donc de l'intérieur. Enfin, depuis l'intérieur, pardon. Et on va mettre le sol. Donc pour le sol, perso, moi je vais mettre des planches d'acacia encore. Hop là. Et ensuite, il faut remplir tranquillement. Voilà. Et vous allez venir ici, donc vers la gauche. Vous allez creuser deux comme ça. Et creuser jusqu'à quand vous arrivez de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous arrivez dans cette partie. Vous allez faire pareil. Vous allez mettre des planches d'acacia ici. Bam. Hop là. Et voilà. Et ensuite, vous re-remplissez. J'ai pas besoin de vous expliquer. Hop là, voilà. Donc là, on a déjà une base. Après, ici, on va venir prendre des escaliers en... que j'ai trouvé en bois de bouleau. Et c'est les plus clairs. Et ensuite, vous allez mettre comme ceci. Oula, j'arrive plus à mettre. Hop là. Voilà. Après, vous creusez comme ça. Hop là, voilà. Vous allez mettre encore les escaliers, ça, et vous allez prendre encore des dalles en bois de bouleau, tout simplement. Bam, et vous allez relier aux planches. Voilà, nickel. Donc pour faire des meilleurs escaliers, vous mettez les escaliers à l'envers. Donc, c'est très connu. Moi, perso, je vais creuser comme ça parce que j'aime bien. Bam, pour après rajouter une dalle. Merde. Une dalle, voilà. Ensuite, voilà. Donc vous arrivez ici, tout simplement. Vous allez creuser ici. Hop là. Merde. Ah, sans faire exprès, j'ai creusé de l'autre côté.
Alors désolé, je suis un petit peu fatigué. Je pense que ça s'entend. Hop là, vous avez creusé encore là. Voilà. Donc ça vous donne un truc comme ça. Moi je vais mettre une dalle comme ça ici. Puis vous pouvez mettre une télé, ce que vous voulez. Moi perso là, bah voilà, ce sera votre chambre. Donc je vais la faire avec vous. Comme ça vous pouvez faire si vous voulez faire comme moi. Bam, bam. Ensuite on va prendre un tableau. Oula, désolé pour le lag. Un tableau. Vite noir, on en a plus besoin. Hop là, on va prendre une librairie. Enfin des livres. Merde. Voilà, bibliothèque. Ça on a plus besoin. Normalement on a plus besoin. Hop là, vous mettez de chaque côté. Et vu que j'ai un mode moi, je peux mettre des casiers, des trucs comme ça. Et il repleut, excellent. Ensuite, perso, moi je vais rajouter une télé. La télé. Là. Bam. Et. Putain, il est où? Je vais rajouter une table avec. Attendez, je vais refaire ça. Slash wither clear. Voilà. Alors vous allez rajouter la télé. Et perso, j'espère que ça va. J'espère que ça va y aller sur la table. Donc je vais rajouter une heure. Ça. Et nickel. Et voilà. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit mannequin pour votre. Pour ranger vos affaires. Un mannequin. Je trouve pas où. Je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Ah, je sais pas, il est où? Je crois qu'il est là. Là, ouais, exactement. Et vous allez mettre un truc soit là, soit vous voulez. Où vous voulez. Perso, moi, je sais pas où je vais le mettre. Je vais peut-être le mettre là. Ouais. Ok, bon, bah ça passe. Et voilà, vous avez votre demeure. Vous allez rajouter un tableau ici. Un peu plus haut. Voilà. Et ici, pour ma part, moi, je fais comme un rangement de chaussures. Donc, ça va se passer comme ça. Bam. Et encore en haut. Voilà, tout simplement. Allez, fini. Donc après, vous pouvez faire le tour. Donc je vais le faire avec vous, encore une fois. Vite fait. Avec des dalles de quartz, vous les gardez. Donc vous allez faire le tour comme ça. Hop là. J'espère que vous me suivez jusqu'à là. C'est tout simple. Y a rien de compliqué. Hop là. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Donc y a un zombie devant chez moi. Donc après vous allez rajouter les dalles de quartz autour des feuillages, tout simplement. Aïe. Hop là, dans ces moments là je peux pas trop parler. Je sais pas quoi dire, je m'en excuse, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Là. Et voilà. Et après vous allez faire un petit truc comme ça. Donc bah voilà, tout simplement, c'est tout simple. Après vous pouvez faire encore un sol en bois, c'est comme vous voulez. Donc voici la maison. Donc encore, ah oui, j'ai oublié, vous pouvez rajouter des blocs de quartz pour faire un aspect comme ça. Ça donne un effet plus classe, je trouve. Donc voilà la maison. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait super plaisir. Vous
pour les nouveaux qui viennent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Puis voilà, ça demande pas beaucoup d'efforts. Et moi, sur ce, je vous laisse là et je vous retrouve dans un prochain épisode d'Adventuria. Allez, à plus. Yeah.